Alors, je suis venu présenter mon livre au Salon du Livre de Paris, Mes regrets sont des remords, qui est le dernier livre que je viens de faire paraître, qui est un livre auquel je tiens beaucoup, dans la mesure où il représente un parcours de souvenirs sur mon existence. A priori, ce n'est pas vraiment passionnant, mais je crois que ça devient intéressant dans la mesure où c'est un livre où il y a, je crois, une grande franchise et où je tente véritablement de réfléchir à ce que j'ai fait de pas bien ou ce que je n'ai pas fait quand on attendait de moi que je fasse quelque chose. Il se trouve que beaucoup de ces actes ou de ces non-actes ont été oubliés par les gens à qui ils s'adressaient, mais ils n'ont pas été oubliés par moi. Et en fait, c'est un véritable exercice pour essayer de mieux se comporter à l'avenir. C'est un peu construit comme le « Je me souviens » de Georges Perec. Et chaque entrée est plus longue. Ce sont chaque fois des textes qui sont en quelque sorte des nouvelles. Mais l'ensemble des nouvelles fait un seul livre avec une ligne directrice qui est la mienne. J'ai essayé d'exprimer le mieux possible, d'écrire le mieux possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écrire bien? Je crois que c'est trouver la formule, c'est trouver le style, c'est trouver les mots qui permettent de transmettre le plus justement possible les émotions que l'on a ressenties en se souvenant. Et sur ce plan-là, je crois que le livre aussi n'est pas trop mal. Au fond, c'est peut-être le livre de moi que je préfère.